grâce abondamment. Je suis le frère Kwaku Kwame Cyprien. Je suis ancien de l'église d'Abidjan et je me tiens ici devant vous avec mon épouse. Et je vais lui laisser le micro, elle va se présenter également. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Cécile Kwaku. Mon faiseur de disciples, c'est la sœur Colette Meunier. Je suis responsable du ministère aux enfants au niveau de Cocody. Amen. Je viens infiniment rendre grâce au Seigneur. Et si nous sommes là, frères, c'est la pure grâce du Seigneur. Et le comité d'organisation nous a demandé de partager avec les frères la gestion spirituelle que nous avons eue dans l'attente d'un enfant. Et nous avons juste 10 minutes. Et donc, nous allons donner les éléments essentiels. Comment est-ce que le Seigneur nous a aidés à gérer cette situation difficile qui se présentait à nous? Nous nous sommes mariés en 2004, en septembre 2004, plus précisément le 11 septembre 2004. Et aujourd'hui, ça fait 19 ans. Et par la grâce du Seigneur, nous avons 4 enfants. Mes frères, les choses n'auront pas été aussi faciles. C'était très difficile au début. J'ai cru en 2001 et en 2004, nous nous sommes mariés. Et lorsque nous nous sommes mariés, on devait faire face à une situation de maladie. Mon épouse saignait abondamment. Elle perdait beaucoup de sang. Et j'ai oublié de vous dire, je suis médecin, je suis pédiatre. Et c'était une situation difficile. Nous avons fait tous les examens possibles qu'on pouvait faire. Elle saignait et on ne trouvait pas l'origine du saignement. Et c'est ainsi que je me suis tourné vers mon faiseur des disciples, qui est le pasteur Meunier Boniface, et qui a prié pour nous. Quand il a prié pour nous, il nous a demandé de prendre un jeûne en début de semaine. Tous les lundis, nous prions pour la famille, nous prions pour la guérison et nous prions que le Seigneur nous bénisse avec des enfants. C'est comme ça que nous avons planifié notre vie de prière, de couple avec le jeûne. Et frère, la situation ne s'améliorait pas. Et c'était une période où, en dehors des médicaments modernes, plusieurs personnes sont venues nous proposer des produits traditionnels pour avoir des enfants. Et c'était dans la même période, on était à Cocody. Lorsque on a entendu un témoignage d'une sœur qui avait également des problèmes d'enfantement, et ils se sont approchés du couple missionnaire et le leader a prié pour eux. Quand le leader a prié pour eux, cette sœur-là, elle est tombée enceinte. Elle fait l'échographie et elle avait des jumeaux. Malheureusement pour elle, elle allait prendre les produits traditionnels qu'on vend dans les rues et elle a fait un lavement. Quand elle a fait un lavement, elle a fait un songe où, dans le songe, il y avait des serpents qui étaient dans son ventre. Alléluia. Et après ça, la grossesse est passée. Donc, nous avons pris l'engagement de dire qu'il fallait force, il fallait que le Seigneur intervienne. Que Dieu nous délivre de la stérilité. Et nous avons continué à intercéder, à crier que le Seigneur intervienne. Jusqu'à ce que maman Colette porte le fardeau, en ce temps-là, des couples qui n'avaient pas d'enfants.
Et elle a décidé chaque année de prendre un jeûne de 21 jours pour renverser le prince de la stérilité. 21 jours complets. Donc chaque année, elle priait pour ça. Et donc en 2005, lorsqu'elle a partagé son fardeau, j'ai décidé d'entrer dans le jeûne avec elle. C'est comme ça que je devais affronter mon premier jeûne de 21 jours dans le ministère. Alléluia! Mais bien avant ça, frère, je vous ai expliqué que je suis médecin pédiatre. Et quand on se retrouve au service, entre collègues, après avoir réglé les problèmes des malades, chacun partage un peu. Celui-là dit oui, moi j'ai 3 enfants, mes enfants sont comme ceci. Celui-là, bon, arrivé à mon tour, me dit, toi tu as combien d'enfants? J'ai dit, chaud, je n'ai pas d'enfants. Et il y a un collègue qui me persécutait personnellement. Il me dit, mais tu veux faire la pédiatrie et puis tu n'as pas d'enfants chez toi à la maison. Tu fais ta pédiatrie comment? Alléluia. Frère, il répétait ça constamment. Et c'est comme ça que nous nous sommes tournés vers le Seigneur. Et quand maman Colette a lancé le jeûne de 40 jours, je suis entré dans le jeûne. Je suis même entré même avant le jour officiel. Le jeûne était difficile. Durant tous les 21 jours, je passais tout mon temps à vomir. C'était comme si j'allais vomir mon estomac et puis mes intestins. J'étais devenu mince. Et par la grâce du Seigneur, nous avons pu prier et j'ai pu atteindre les 21 jours. Quand on a fini les 21 jours, nous sommes allés refaire les examens, les mêmes examens. Et c'est en ce moment-là que l'échographie, on a pu voir l'origine du mal. Alléluia! Alléluia! J'aimerais qu'on acclame très fort le Seigneur. Frère, c'était l'œuvre de la sorcellerie parce que nous avions eu un mariage difficile avec une opposition farouche des mauvais esprits. Et après le jeûne de 21 jours, on fait l'échographie, c'est là qu'on découvre l'origine du mal. On a vraiment rendu grâce au Seigneur. Mais il fallait aller faire une intervention chirurgicale pour que l'origine du mal soit levée. On a prié et nous avons planifié l'intervention. On l'a programmée une première fois. Elle entre au bloc opératoire. Au moment où on s'apprêtait à l'opérer, on dit non, on ne peut pas t'opérer. Alléluia. On est revenu encore en arrière. On a fait une deuxième programmation au bloc opératoire. Ce sont mes collègues qui ont fait l'intervention. Ce sont eux qui me rendent le témoignage. Ils ont cherché le fibrome. Pendant 1 heure de temps, ils ne trouvaient pas le fibrome. Et c'est l'un d'entre eux qui me dit, on s'apprêtait à tout refermer pour te dire qu'on n'a rien trouvé. Quand par la grâce du Seigneur, Dieu a suscité un des professeurs qui était là et qui est venu. C'est comme ça, Dieu est passé par lui. Et ils ont trouvé le fibrome. Alléluia. Frère, c'était la haute sorcellerie. Et c'est comme ça, l'origine du mal a été ôtée. Et nous avons pu avoir aujourd'hui 4 enfants. Alléluia. Notre Dieu est le père des enfants. Il est le père de la fécondité. Et ça a été une expérience merveilleuse pour nous parce que nous avons appris à compter sur lui, à coopérer avec lui. Et si nous nous tenons ici aujourd'hui, c'est pour exprimer notre gratitude envers le Seigneur, notre gratitude envers le couple Meunier qui nous ont soutenus pendant ces moments très difficiles. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse et je vais passer peut-être la parole à mon épouse, peut-être qu'elle voudrait ajouter quelques éléments. Gloire à Dieu. Je suis aussi reconnaissante au Seigneur
pour sa bonté et sa fidélité envers nous. C'était un moment assez difficile en tant que couple. Mais je veux rendre la gloire au Seigneur qui nous a soutenus. Parce que pendant tous ces moments difficiles, à aucun moment, mon époux ne s'est levé contre moi pour m'accuser. Que c'était peut-être à cause de moi qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Jamais. Il ne m'avait jamais accusée. Au contraire, c'est lui qui portait le fardeau et qui payait le prix. Parce que pendant ces moments où nous étions en train de jeûner, prier, moi je ne pouvais pas jeûner. Parce qu'avec ce que j'avais, en fait, je perdais du sang. Et avec la perte du sang, j'étais très anémiée. Donc j'étais toujours sous traitement. Ça fait que moi je ne pouvais pas jeûner. Et c'est lui qui a porté tout le fardeau. C'est lui qui a payé le grand prix pour qu'aujourd'hui, nous ayons ces quatre merveilleux enfants. Donc, je veux dire merci au Seigneur qui m'a béni avec un merveilleux, qui a su porter la chose. Et quand il le dit, en tant que médecin, il n'a pas regardé aux médicaments. Il n'a pas regardé à lui-même pour dire, bon, comme je suis médecin, que je suis du corps, je vais me tourner vers mes collègues, les médicaments, pour pouvoir gérer mon problème. Non. Il s'est tourné réellement vers Dieu. Et son engagement m'a fortifiée. Parce que j'avoue que attendre un enfant, ne pas l'avoir, avec tout ce que les gens disent au dehors, ce n'est pas facile. Les parents, les collègues, toi tu t'es mariée depuis, il n'y a pas d'enfant, ce n'est pas facile. Beaucoup de propositions de médicaments traditionnels. Je me souviens qu'un jour, même ma mère me dit, comme toi, ton mari est médecin et que vous ne faites pas de médicaments traditionnels, je vais te montrer juste des plantes que tu pourrais même utiliser si tu veux. Elle me dit, les plantes qu'on appelle mille maladies, tu peux utiliser, tu peux prendre pour faire lavement. Toi-même, tu vas, tu peux cueillir et puis tu peux aller faire le lavement. Comme ça, tu ne diras pas que c'est moi qui t'ai vendu un médicament. Frère, après cette proposition, l'ennemi s'est présenté. Là où je travaillais en son temps, ces feuilles mille maladies sont sorties pleines dans la cour du lieu de travail. Et un jour, pendant que j'allais aux toilettes, je me suis arrêtée, j'ai regardé les plantes là jusqu'à... Je voulais cueillir pour aller faire le lavement. Ce jour-là, Jésus-Christ m'a visité. Alléluia. Il y a une voix intérieure qui me disait, celui qui a créé les plantes et les plantes, entre les deux, qui est plus fort? Moi-même, j'ai répondu. J'ai dit, mais c'est celui qui a créé. Et ça m'a donné la force de résister à cette tentation. Et je n'ai pas cueilli, je suis partie. Et ça m'a accordé la force de davantage porter les regards sur le Seigneur pour pouvoir compter sur lui. Et Dieu a été fidèle. Fidèle, fidèle. Vous imaginez. Je crois après qu'on nous ait refusé la première intervention, on m'avait interné dans une salle avec une femme qui venait d'accoucher. Je vous assure, je me suis cachée pour pleurer. Tellement c'était difficile émotionnellement. Mais on n'avait pas baissé les bras. On a continué de porter les regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Et au temps voulu, le Seigneur s'est souvenu de nous. Alléluia. Où je suis arrêtée là, j'ai subi 5 interventions chirurgicales. Après l'opération des fibromes, j'ai fait tous les enfants par césarienne. Et là encore, c'est la grâce de Dieu. Et je veux lui rendre toute la gloire pour cela. Amen. On a dû ligaturer les trompes, sinon peut-être qu'on serait à 10 ou à 15. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse abondamment.